Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, le boudoir de l'intuition. Nous allons voir vos énergies pour le mois d'avril 2024 avec, pour commencer, l'oracle de la lune magique, mes amis. Ensuite, nous irons voir avec les rêves enchantés de Lenormand, suivi des portes, pardon, de l'intuition que voici, d'accord? Nous irons compléter ensuite avec Dis-moi que tu m'aimes. Et ensuite, nous aurons un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Allez, c'est à nous, les Gémeaux. On y va. Concernant vos énergies. Allez, pour les... Ouh, ça y est. Allez, les deux cartes sont sorties pour vous. Allez, pour démarrer, on commence avec cette magnifique carte de l'instinct. Nous avons ici la carte de la famille premier croissant, l'instinct qui nous parle de liberté, un besoin fort de liberté, qui nous parle également, pourquoi pas, un petit peu de sexe, mes amis, et qui nous parle de liens. Quand même, malgré tout, sociaux. Alors, malgré une certaine liberté, un besoin quand même d'autonomie, d'accord, on a quand même ce besoin d'avoir un certain cercle autour de soi. On a ce besoin, voilà, de sentir qu'on a du monde qui gravite autour de soi. Est-ce que c'est pour vous valoriser? Je ne sais, mais en tous les cas, ce sont des énergies, c'est une énergie qui arrive à vous. Ouais. Ici, vous avez la très très belle carte de la lune guibeuse avec le chaman, mes amis. Ici, on vous parle de gratitude, de méditation et le fait d'écouter son corps. Vous allez être peut-être que vous allez dans le courant du mois d'avril, peut-être suivre des médecines alternatives. Pourquoi vous intéresser, pourquoi pas, à de l'hypnose ou autre. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Ça, je vais les mettre ici, les énergies. Après, ça peut être aussi un besoin de vous reconnecter effectivement avec votre corps, de prendre soin de vous. Parce que la carte quand même du loup, elle est quand même, elle est très très puissante, hein, très active et en tous sens. Donc, peut-être qu'il vous faudra un temps de guérison, un temps de repos, de repli un peu parfois pour pouvoir repartir de plus belle. Sur de nouvelles aventures. Incroyable. Excusez-moi, petit plongeon. Et voilà. Hop. Je fais tout bouger en plus. Allez, ok, c'est parti. Allez, on y va. Alors, ici, avec cette carte, on a vu hein, d'émotion au niveau de l'instinct, pas l'émotion de l'instinct, on nous parlait de liberté quand même, d'accord, de liberté. Je vous dis ça parce qu'en fait, avec cette carte, c'est la carte du vaisseau, d'accord, c'est la carte du voyage, c'est quelque chose qui... comment dire, qui demande en fait le besoin de nouveaux horizons, d'aller voir un petit peu ailleurs. Et effectivement, la liberté, donc ça, c'est tout à fait ça. Ici, vous avez la boussole. Donc, la boussole, elle nous parle effectivement d'une direction que vous allez prendre. C'est ce qui va vous orienter vers un objectif. En fait, le fait d'être dans cette énergie, finalement, vous avez peut-être ce besoin de chercher quelque chose. Est-ce que vous cherchez... En plus de ça, c'est la carte vraiment comment dire, vous avez ce besoin quand même d'avoir pas mal de monde qui gravite autour de vous et c'est ce qui vous permet finalement de vous sentir peut-être bien. On est d'accord.
Donc, est-ce que vous avez ce besoin de partir à droite et à gauche, de foncer tout le temps, d'aller chercher toujours autre chose? Est-ce que, par exemple, dans vos histoires, vos, je sais pas moi, dans le côté relationnel, sentimental, bref, peu importe, est-ce que vous êtes dans une période où vous manquez peut-être de fidélité, peut-être de sérieux, parce que ça ne vous convient pas, que vous cherchez toujours autre chose, toujours quelque chose de mieux, ou dans le travail, peut-être aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette énergie. Je vous dis ça parce que les deux cartes, elles sont vraiment, elles sont, comment dire, elles se suivent en fait, hein. Les deux là et cette énergie, elles sont vraiment, comment dire, elles s'associent vraiment parfaitement bien, hein. On voit bien qu'il y a ce besoin d'aller chercher quelque chose d'autre, d'essayer de trouver la bonne direction, la bonne voie. Et ça, ce besoin, il est bien, comment dire, présent pour le mois d'avril. Est-ce qu'on ne vous dirait pas là, on ne vous dit pas, ben, finalement, il faudrait peut-être prendre un peu un temps pour soi aussi. Ça serait important de vous poser. Parce qu'on a autant la carte, finalement, de la sexualité, de la tentation, etc. Et puis, on a quand même le cœur ici qui est là. Hein. On va voir. Ouais. Ici, on vous dit que il serait peut-être temps, ouais, de. Il y a une dispute qui va arriver. On vous dit qu'il faudrait peut-être mettre de l'ordre dans votre vie. Il serait temps de mettre de l'ordre dans votre vie. Eh oui, parce que si vous n'êtes jamais vraiment ici, là, maintenant, présent, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes toujours un peu par monts et par vaux. Et puis là, toujours ce besoin de liberté, ce besoin de chercher ailleurs autre chose. Si vous êtes en couple, effectivement, ça va poser des soucis. Ici, on vous parle de projet, mais on vous parle aussi de quête. D'accord? De quête. Un peu, ben, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être ce besoin de chercher quelque chose. Il y a quelque chose que vous cherchez. Ouais, je vois pas d'autre. En fait, vous pouvez pas rester, comment dire, figé à un endroit. Parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à trouver votre idéal, que ce soit dans le pro, que ce soit même dans votre tête. Hein. Vous avez toujours la bougeotte, ce besoin d'aller à droite et à gauche parce que ça ne vous convient pas là où vous êtes. On vous dit que vous allez trouver cette solution, que vous allez trouver des réponses, d'accord? Mais encore faut-il le vouloir. Est-ce que ça ne concerne pas le sentimental? Parce qu'on voit qu'il y a une fleur rose là, ici. Est-ce que ça ne concerne pas votre cœur? Est-ce que vous n'avez pas des difficultés à vous poser, finalement? On vous dit qu'en tous les cas, il y a de belles et nombreuses opportunités qui arrivent à vous, mais ça sera toujours en fonction de vos décisions, de votre décision. D'accord? Il y aura de nouveaux commencements qui vont arriver à vous. Donc, c'est peut-être bien le sentimental, vous voyez? J'ai voulu faire dans tous les tirages juste une guidance générale et j'ai quasiment que le sentimental qui ressort. C'est un truc de fou. Ici, il y a quelque chose qui arrive à vous. Quelque chose qui va enfin vous apporter du bonheur et qui va réchauffer votre cœur. Voyez ce cœur qui était enfermé là. D'accord, vous avez trouvé la clé. Vous allez pouvoir libérer en fait cette pression et ce cœur. Et c'est peut-être. Ouais. C'est peut-être grâce à ça que vous allez pouvoir ouais, vous sortir de tout ça. Et là, ils vous disent, on vous parle du temps, hein. On vous dit que la vie est courte. Alors, c'est peut-être pour ça que vous en profitez et que vous cherchez à trouver votre liberté parce que c'est compliqué et que vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Et en même temps, vous cherchez, on l'a vu hein, ici, que vous cherchez, il y a quelque chose, ouais, vous cherchez une direction pour aller vers l'objectif tant désiré. Et là, bah, effectivement, on vous dit que c'est une transition, vous allez pouvoir trouver, comment dire, vous dépasser les obstacles et vous allez pouvoir atteindre l'autre côté pour pouvoir accueillir enfin les nouvelles opportunités, d'accord? Ça va vous permettre d'atteindre votre destination, la destination que vous souhaitez atteindre. Et enfin, vous pourrez vous libérer d'un fardeau. Vous pourrez vous libérer peut-être de ce poids, le fait d'être trop libre, le fait d'être pas suffisamment ancré. Peut-être qu'au fond, ça
vous suiviez trop votre instinct un peu animal là, et peut-être qu'effectivement, ça vous manquait ce côté, cette droiture, cette stabilité, cette sécurité vous manquait. Là, on vous dit que vous quittez le fardeau, il y aura moins de poids sur vos épaules. Pourquoi? Parce qu'ici, on nous parle avec les hiboux de paix retrouvée, d'une certaine sagesse, et on nous apporte aussi, pourquoi pas, un message qui va arriver aussi. Mais un message, peut-être que vous allez recevoir dans un rêve, un message intuitif, ou tout simplement un message vraiment avec beaucoup comment dire, de bienveillance, un message comment dire, vraiment sérieux, avec beaucoup de sagesse, vous voyez? Hey, je l'attendais celle-ci. Vous retrouvez enfin votre stabilité et sécurité qui était tant souhaitée au final. D'accord? Vous allez la retrouver. Ici, on nous parle vraiment de quelque chose qui sera récompensé sur du long terme. D'accord? En tous les cas, vous êtes protégé. On nous parle même d'abondance aussi et de richesse. Et ici, pourquoi vous allez être protégé, non pas, oui, protégé aussi, mais pourquoi cette stabilité et cette sécurité? Parce qu'il y a un choix que vous allez pouvoir enfin faire. On a vu ici, hein, que vous cherchiez la direction. On est d'accord? Ok? Eh bien, vous allez pouvoir obtenir finalement la réponse à votre questionnement. D'abord parce qu'il y a la clé. Donc, vous savez quelle porte ouvrir. Et puis surtout, vous savez quel choix faire. Vous allez prendre la bonne décision et ça va arriver au bon moment, de toute façon, pour vous, mes amis. C'est très, très, très joli. Petite carte sur quand même le problème, le conflit qui arrive à vous. Ah ben oui, ben le conflit, c'est tout simplement que la situation que vous êtes en train de vivre, peut-être votre façon d'être, votre façon de vivre ou de voir les choses, vous ronge, comment dire, ça vous stresse, ça ne vous plaît pas du tout. C'est pour ça que vous avez envie d'avancer et que vous allez prendre la bonne décision. Ouais. Très bien. Allez, on y va. En tous les cas, c'est très positif puisque de toute façon, ça va dans le bon sens. Donc, c'est bien. Allez, on va aller ici, s'il vous plaît. Et on va continuer avec les Gémeaux concernant le mois d'avril, s'il vous plaît, 2024 pour les Gémeaux. Complément d'information, ok. Allez, complément d'information, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Merci. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Merci. Merci beaucoup. Eh ben, c'est parfait. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Ici, on nous dit que vous reprenez donc le bon positionnement. Là, vous allez pouvoir rééquilibrer un petit peu le tout. Et comment et pourquoi? Parce que vous avez du coup la deuxième énergie qui arrive à vous. Pour pouvoir accepter finalement l'amour, pour pouvoir avancer correctement, on vous dit qu'il va falloir vous réaligner, qu'il va falloir faire de la méditation et surtout avoir suffisamment de gratitude et écouter son cœur, son corps et son cœur, voyez. Et ici, c'est exactement ce qu'on vous dit. Vous allez pouvoir faire et accepter le choix, d'accord, de pouvoir vous repositionner, mes amis. La famille, peut-être que vous êtes ainsi par rapport à la famille par rapport à ce que vos aïeux vous ont transmis en héritage et c'est quelque chose dont vous allez pouvoir effectivement vous allez pouvoir vous appuyer sur ces acquis, sur ce qu'on vous a transmis, mais en même temps vous allez pouvoir faire la paix avec votre histoire, avec votre passé, pour pouvoir avancer tout simplement et ne pas retransmettre ensuite comment dire, vos bagages. Et ici, vous allez retrouver et avoir la réponse. On vous dit écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Effectivement, vous allez, on l'a vu, hein, passer un moment, vous allez retrouver, vous allez être, comment dire, trouver le bon chemin.
pour qui vous mènera de toute façon au triomphe. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, mes amis. Hein. Il y a quand même le projet qui arrive à vous. L'entrave, eh bien, vous chassez finalement ce nuage qui était trop présent et qui finalement, quelque part, c'est un peu comme si vous mettiez un peu le doigt sur ce qui n'allait pas chez vous et qui faisait que vous vous comportiez de la sorte par rapport à telle, comment dire, telle personne ou par rapport à des événements ou autres, ou par rapport au fait que la famille vous ait transmis en héritage cette façon de voir les choses et puis vous portez ce bagage depuis trop longtemps. Mais en tous les cas, comment dire, avec beaucoup de clarté et de sincérité et tout simplement d'humilité, vous comprenez votre problème et vous pouvez chasser tout simplement ce nuage pour pouvoir vous diriger vers finalement ce qui vous empêchait d'avancer. Vous tombez le masque, évidemment, parce que pour le coup, ben, effectivement, vous avez montré une image de vous qui n'était pas et qui ne vous représentait pas réellement. En tous les cas, vous donniez une image qui n'était pas très, très sympa ou en tous les cas qui vous a causé parfois du tort. Et ce n'était pas forcément vous. Donc là, vous vous étiez un peu éloigné de votre véritable être. Ben là, vous tombez le masque. OK? Et vous êtes beaucoup plus dans la force de conviction. Là, vous revenez, mais vraiment conquérant. Vous revenez fort parce qu'en fait, vous avez beaucoup plus, comment dire, il y a eu ce besoin d'enracinement. D'accord? Vous êtes enraciné, voilà, et en s'enracinant, en étant plus solide et plus sécure, comme on a vu tout à l'heure avec la carte de l'ancre qui arrive, eh bien, pour le coup, tout devient possible, tout simplement, hein. Hey, regardez, et en plus de ça, il y a une très très grande transformation. Un événement magnifique arrive à vous, hein. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir, mes amis. Eh oui, vous avez pris franchement pas mal de maturité là en très peu de temps. Et ce mois d'avril risque d'être magnifique pour vous, les Gémeaux. Et en plus de ça, regardez, il y a la chance qui arrive à vous, forcément. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance, mes amis. Waouh, magnifique! Très très joli tirage parce qu'on est vraiment dans le réalignement, on est vraiment dans quelque chose de fort, de beau, mes amis. Nous allons voir avec Dis-moi que tu m'aimes s'il y a un message complémentaire pour vous ou s'il y a effectivement des énergies peut-être à travailler, pourquoi pas. Allez, on va aller voir. Pour mes amis, les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, avez-vous un message pour eux? Il y en a deux? Allez. Oh non, trois. Non, il y en a trop. Je sais pas. Allez. On vous parle de justice, de loi et de protection. Là, vous reprenez en fait comment dire, ben, votre conviction. On a vu tout à l'heure avec la carte de la conviction. Reprenez confiance en vous. C'est bon, il y a la loi de l'attraction, il y a tout qui change. Vous avancez et vous reprenez votre force, d'accord? Sans suivre forcément votre instinct qui vous a guidé parfois par des choses pas trop sympas. Là, en fait, vous reprenez votre total équilibre. Vous réharmonisez, mes amis. Ici, on vous dit que lâchez complètement prise, d'accord? Et puis qu'il va y avoir beaucoup plus d'accalmie. En fait, ça sera moins volage, ça sera moins dans la, comment dire, ben, dans l'énergie de cette carte. En revanche, on sera plus dans cette énergie, vous voyez, finalement, parce que là, on vous dit que vous allez faire de la respiration. Effectivement, je vous parlais peut-être peut-être que vous allez suivre je sais pas moi, de la méditation ou autre, et c'est peut-être ça qui va vous aider à changer finalement. Et on vous dit ici que vous allez faire tomber en fait les masques et cette folie qui comment dire, vous représentez. Quand on parlait de vous, peut-être qu'on disait, ah, ça, c'est telle personne, elle est ci, elle est là. Voilà, et bien là, on laisse tomber les masques. Ben, on l'a vu de toute façon dans le jeu tout à l'heure, pour pouvoir tout simplement lâcher prise et retrouver une véritable, comment dire, harmonie de notre être, hein, de votre être en tous les cas. Très très joli tirage. Et nous allons voir pour terminer avec le petit oracle. Vous avez vu comme ça a sauté? Le petit oracle des portes de l'intuition. Vous avez la permission,
D'accord? On vous dit accueillir. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est offert et ce qui s'offre à vous, c'est-à-dire le changement vers la meilleure version de vous-même. C'est ce qui permet d'exister enfin. Vous voyez la meilleure version de vous-même. Là, ce n'était pas la bonne version. Je vais en tirer une autre de carte. Si on nous parle de bénédiction, il y a des signes qui arrivent à vous. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation, mes amis. Et pour terminer, eh ben, nous avons l'amour avec l'enrichissement en titre. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme du succès, des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hisse sur ton plan de création, mes amis. Voilà, mes amis Gémeaux. À très très vite. Ciao, ciao.